Desert Eagle. .50. Bah voilà, c'est fini, c'était un peu long, je sais, hein, le but c'était de faire un petit montage, mais pas du tout avec la même ambition que les vieilles frag movies de la bonne époque, hein. Mais même si, bon, je regarde mes vidéos de l'époque, c'était un peu ridicule, là c'était vraiment sans prétention, c'est pour ça qu'il y a au final très très peu d'effets, c'est moins travaillé qu'une de mes critiques, hein, à vrai dire, c'était, bon, je voulais faire un truc un petit peu sympa, et je suis bien conscient que Modern Warfare est un jeu assez casu, on va dire, hein. C'est beaucoup moins basé sur les skills que les anciens Call of, pour la simple raison que le jeu te met forcément avec des joueurs de ton niveau. Si tu fais des bonnes parties, il te fait monter, et puis après quand tu commences à perdre, il te fait descendre. Et d'ailleurs ça se voit très bien sur les frags que parfois je bute des mecs qui sont vraiment pas capables de viser ou de me tirer dessus alors que je suis littéralement devant eux. On remarque d'ailleurs une très nette différence de niveau entre, alors c'est un mode qui avait duré que très peu de temps, où en fait c'était un mode mis dans Warzone, donc dans la partie free to play de Call of Duty. Un espèce de gros match à mort avec plein de monde, c'est là où j'ai fait pas mal de mes kills au car, et c'était juste pour vraiment monter l'arme, et on voit qu'il y a une énorme différence de niveau ensuite quand on va dans le mode guerre terrestre, qui est l'espèce de mode Battlefield dans Call of, où là on voit que c'est des joueurs qui ont payé le jeu, donc ils sont plus susceptibles d'avoir de l'expérience en fin de compte. Et d'ailleurs, pour la plupart de... Enfin, je pense que ça se voit un peu en jouant, que le but était un petit peu de tester les armes et de les faire monter en grade, vous savez, pour débloquer
les différents accessoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a même des kills avec de flingues et des lunettes de loin pour essayer de faire des long shots. Enfin, voilà, le but de Modern Warfare, c'est devenu un peu un espèce de terrain d'entraînement pour jouer à Warzone. Voilà, en essayant quand même de montrer des choses jolies, c'est-à-dire les kills avec des fusils à verrou et essentiellement des headshots, parce qu'effectivement, voilà, c'est plutôt rageant quand tu te fais tuer avec des fusils à pompe à répétition, genre ils viennent de mettre le AA-12, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, voilà, j'ai essayé de faire plutôt des kills jolis, je sais que c'est pas non plus un truc de malade, et bah, j'espère que ça vous aura plu, et on verra, peut-être que si je continue d'un peu de jouer à ce jeu, je ferai d'autres montages un peu plus travaillés, un peu plus condensés, avec vraiment des kills exceptionnels.